Et bonjour. Et que coucou. Et bonjour, bonjour. Nous sommes, alors petit indice, nous sommes au bord de la mer. Ah. Nous changeons de répertoire. Et bah ouais, on va se foutre à l'eau quoi. On va se mettre à l'eau et puis il fait beau. Il y a un petit vent quand même. Ouais. Mais il fait beau quand même quoi. Donc nous allons à la pointe de l'aiguille. La pointe de l'aiguille à Théoul-sur-Mer. Voilà, donc enfer ou paradis, c'est là, c'est ça. Donc c'est vraiment une chouette petite balade là sur le littoral de Théoul-sur-Mer avec des maisons incroyables. Voilà. Celle-là elle a l'air juste magnifique. Qui aura sa plus belle maison avec, regardez, la vue sur les montagnes là-bas en face, les îles de l'Hérens. C'est pas mal, hein. C'est quand même pas mal. Voilà, c'est là qu'on va. Voilà, ce qui est bien dans cette région, c'est qu'on peut passer de la montagne à la mer. Comme ça, vraiment, des Alpes-Maritimes au Var. C'est vraiment... c'est tellement riche en nature. C'est vraiment... regardez ça, comme c'est magnifique. Les montagnes en face, les montagnes enneigées, magnifiques. Regardez ça, comme c'est super beau. Papa. Les îles de l'Hérens en face. Oh là 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 là. Les îles de l'Hérens, tout droit. Super beau. Ah ouais, pop. Ah ouais. Tu vois, et on part pas d'ici du coup? Si, on partira de là. Ouais. Mais d'abord on va faire ici, et après on ira ici. Ok. Pour faire l'arche. Donc il doit y avoir de la houle. Un peu de houle on va. Escalier sympathique. Ouais. Normalement c'est là le départ. Ah non, c'est l'autre. Ah ouais. Parce que là, Ouais. Super joli. Il y a un petit air de Bretagne aussi. Un petit peu, ouais.
Belle île en mer. Ah mais en plus il y a le soleil. Ah ouais, l'arche qui est là-bas. On voit l'arche. Ah. Super beau. Bon alors plus Enzo Mallorca ou Jacques Mayol? Enzo. Enzo? Oui, moi oui. Ok. J'ai eu le gabarit. Les montagnes, le Mercantour enneigé. Waouh, c'est super beau. Super beau. On va aller voir. Sinon, c'est là et... Oh, hop, t'as vu les embruns ? Ouais. Là, ça rigole pas. Ah ouais, là, il y a du courant quand même. Hein. Magnifique.
serait-ce pas l'homme de l'Atlantide. Un peu. Bon, ben, on l'a fait, hein, messieurs, dames. Alors, j'ai pris la caméra, malheureusement, bas de gamme. Et je pense que vous allez tout de suite le remarquer. C'était plein de buée. Donc, on a été dans la grotte là-bas. Donc, on a fait le tour. On est rentré dans la grotte, mais il y a trop de vagues. Trop de. Il y a de la courant, il y a de la houle, il y a de tout. Donc, c'était un peu périlleux quand même. Mais bon, on l'a fait quoi. Ah, moi je suis mort. Ah, moi aussi. Ah, ça crève dehors. C'est du sport. Hein. C'est vraiment du sport quoi. On a tourné le rocher, on est rentré dedans et on est ressorti, on est revenu. Mais trop de courant, trop de vent, trop de vagues. C'était un peu pénible. Voilà, qu'est-ce que c'est beau. C'est magnifique. Thank you.
Daniel! Oh! Tu as pris trop le soleil! Alors ça c'est très moche par contre. Moi je trouve ça très moche. Ah ouais? Personnellement, voilà. Ah moi je le trouve pas mal. Ah bah tu vois, voilà, il en faut pour tous les goûts. C'est quand même le corps, c'est le rocher. Ah c'est vrai, ouais, ouais. C'est vrai. C'est pas mal fait. C'est pas mal fait. C'est pas mal fait, mais moi je trouve ça assez moche. Donc, regarde. Oh, qu'est-ce que c'est dingue! Qu'est-ce que c'est beau là! Donc les amis, à bord de ma petite marinière, petit sac nutritif, ouais. Nous voilà partis dans de nouvelles aventures. Donc nous avons défié les océans, on peut le dire. Voilà, on a nagé à contre-courant tant bien que mal pour accéder à la grotte. Donc les images, je pense que bah, vous les verrez avant ça. Donc je vous demanderai d'être un petit peu tolérant car la caméra était pleine de buée et c'était vraiment compliqué quoi. Donc les images seront malheureusement pas terribles. On essaiera de se débrouiller au montage. Donc là nous allons voir Notre-Dame d'Afrique à Théoul-sur-Mer. Donc vous voyez, c'est un chemin qui... dans la montagne, la petite montagne de Théoul. Il paraît que c'est très beau. Paraîtrait-il. Tu jugeras. Voilà. Donc il fait un temps magnifique. Il fait hyper beau. C'est vraiment agréable. Il commence à avoir très faim. Parce que l'eau de mer, ça creuse. Donc on est plein de sel. Hein. Voilà, faut le savoir. Là, vous vous dire, ah, des petits touristes. Ah. Donc ça, c'est vraiment beau. Quoi. Bon, alors donc, ouais, la coupe, faites pas gaffe. Mais bon, voilà quoi. Gamme de l'Atlantide quoi. Et voilà Notre-Dame d'Afrique. Alger 1830. Voilà les amis, journée qui se termine. Belle journée encore. Petite journée. Petite journée, mais bon, qui est sympa, sympa. Ouais, ouais, ouais. Sympa. Donc les amis, on s'abonne, petit pouce, ça fait plaisir. Et puis
Bon, je pense qu'il y a, là, on va un peu se calmer sur des vidéos cette semaine, jusque peut-être le week-end prochain. Ou, bon, il devrait y avoir un peu moins de vidéos parce que je vais travailler. Eh oui. Eh oui, eh oui. Et il faut bien, il y a un moment, il faut bien, quoi. Je veux dire. Un moment, faut bien. Par contre, Daniel, c'est pas bien. Je me souviens plus, mais les gens, ils doivent cliquer où pour s'abonner. Ici. Voilà, on est d'accord. Et là, et la petite cloche. Là. Non, mais là ou là? Ah non, là. On fait un coup là-bas, ce genre. Alors là. Voilà. Bon, allez, bye bye, les amis. Ciao, ciao.